Hello. Salut. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien. Alors, attends. J'ai l'impression que je suis un peu dans l'ombre. Ah non. Mais ça va bien et toi? Bah, ça va. Tu as réussi à te connecter, du coup, c'est Oui, en bon. fait, c'est pas compliqué. Non, hein. Hein. C'est Ben plutôt même intuitif, hein, mine de rien. non. Ben oui. Alors. Vous m'impressionnez, vous. Tous les jeunes qui sont à l'aise avec tout ça. Oui, J'adore. bah, je te rassure, moi, il y a des trucs que je ne connais pas encore. Hein. Tu vois, la manip, Nickel. j'ai juste été Oui, fouillée un peu, mais je ne savais pas comment on faisait non ouais, plus. Alors, du coup, je ne sais pas. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous regardent, mais je ne sais pas si elles sont attentives à ce qu'on dit. Est-ce que tu veux qu'on refasse la manip pour qu'on refasse l'interview du début, ou est-ce que tu veux qu'on garde ce petit bout de. Ce petit bout de live pour la vidéo. moi, ça me dérange pas. Hein. Comment tu le sens, toi? Non, bah moi, on peut continuer comme ça. Allez, ça va comme ça. Ça va. Bonjour à toutes. Bah, bonjour, bonjour à toi, bonjour à toutes les personnes qui vont donc regarder cette vidéo. Donc là, on est en live, mais on remettra la vidéo sur nos chaînes respectives pour que vous puissiez revoir cette interview. Donc ça se passe sur mon compte, puisque du coup, je vais proposer à Isabelle. Donc vous voyez juste en dessous. Alors, je sais pas si moi, je te vois en dessous, donc je dis que c'est en dessous. Je suppose. Voilà, Isabelle va se présenter, elle va vous parler bah, de qui elle est, de son univers, de sa pratique, surtout comment est-ce qu'elle fait pour accompagner les gens, c'est quoi ses spécificités. L'objectif pour moi de l'interviewer, c'est de vous montrer bah, en fait toutes les possibilités qu'on a à notre portée pour être dans cette évolution spirituelle, dans cet éveil, dans cette libération, peu importe les mots qu'on emploie, mais en gros dans ce qu'on nous demande de faire en ce moment, de vraiment nous éveiller en fait et nous élever et conscientiser et donner du sens aussi à ce qu'on peut vivre. Donc il y a plein de pratiques, il y a plein de thérapeutes, d'outils différents qui existent et chacun a une sensibilité particulière à l'un ou à l'autre. Donc c'est important pour moi de vous montrer bah, tout ce qui existe puisque je ne connais pas une personne qui peut tout faire, c'est pas possible. On a aussi nos affinités Oui, propres, nos outils en tant que thérapeute et puis bah, des connexions et des affinités aussi avec les personnes qu'on va accompagner. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est Isabelle qui va prendre la parole et qui va donc vous expliquer ce qu'elle fait, qui elle est, son univers. Donc je te laisse la parole, Isabelle. je te remercie, Aurélia. Moi, je te rejoins vraiment sur le point du fait qu'en fait, on a tous des façons d'être uniques et on est tous complémentaires. Et moi, j'adore en fait avoir un réseau de thérapeutes chouchous comme ça, à qui j'envoie du monde, avec lesquels on interagit en se sentant vraiment en lien dans le cœur, parce que c'est comme ça qu'on avance aussi les uns et les autres, quoi. Moi, je me nourris beaucoup d'interactions avec des collègues ou des amis thérapeutes, j'adore, ça me fait avancer. Et puis, je sais que c'est pareil pour les autres, quoi. À condition de se placer suffisamment dans l'humilité et la posture de se dire, mais où que j'en sois, je peux toujours apprendre. C'est ça. J'adore. Ouais, toujours être dans l'apprentissage. De toute façon, on est là. Ah, L'apprentissage. s'il n'y a plus rien à apprendre, c'est qu'on n'a plus besoin d'être ici. Mais oui, c'est ça. Donc, on peut passer de l'autre côté du voile. Et oui, puis j'aime bien le mot apprentissage parce qu'on peut aussi le lire avec en deux mots, quoi. Apprentissage. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, la langue des oiseaux, elle apporte beaucoup aussi. J'adore parce qu'elle parle au cœur et elle nourrit notre âme, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, qui je suis? Eh bien, en fait, je suis une amoureuse de la vie bien vivante, qui adore rencontrer des belles personnes comme toi, Aurélia. Je ne le dis pas, en fait, voilà, par démagogie, je le dis sincèrement avec mon cœur. J'espère que C'est vous gentil. l'entendez. Et en fait, je me suis fait former alors d'abord au Reiki en 1996. J'étais une jeune cadre dynamique embringuée dans un processus, j'ai envie de dire à la noix de coco, comme on sait nous les imposer dans ce monde qui marche sur la tête. Et
Et en fait, le Reiki a commencé à m'ouvrir la voie. Je me suis dit, waouh, y a quelque chose qui se passe quoi, dans l'expérience. Ouais. Je sais pas si toi, tu connais le Reiki hein, de l'intérieur, hein, c'est ça? Voilà. Oui. J'ai été initiée aussi et oui, moi je l'ai vu, enfin en tout cas j'ai voulu m'initier pour être dans cette ouverture. C'était pour moi une porte d'entrée sur quelque chose. Toujours pareil, ce que je dis, c'est des outils différents, mais c'était pour moi une ouverture. Ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, alors le Reiki, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une pratique ancestrale, en fait, qui a été redécouverte au début du XXe siècle par un Japonais, mais en fait, c'était inspiré de pratiques anciennes tibétaines. Et il s'agit de se mettre en connexion avec les énergies de la terre-mère nourricière, la Pachamama, et les énergies du Père Ciel, pour se placer en canal et pouvoir s'auto-harmoniser soi-même, que ce soit au niveau physique, ou au niveau émotionnel, mental ou même spirituel quand on a envie de s'ouvrir à d'autres possibles. Oui. Je ne sais pas si ça te... Oui, je trouve ça, oui, ça me parle beaucoup. Je trouve ça très juste. Voilà, et du coup, ça a commencé à m'ouvrir la voie. Et en fait, moi qui ne croyais pas du tout aux vies antérieures et pas du tout à toutes ces choses trop étranges pour le cerveau formaté que j'avais, j'ai compris rapidement qu'il se passait quelque chose d'étonnant suite à ma première séance de Reiki. Et du coup, en fait, j'ai voulu rapidement me faire initier, sauf que j'avais des programmes discordants à l'intérieur de moi. Et en fait, rapidement, en fait, j'ai déclaré une polyarthrite rhumatoïde. Bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais du coup, j'ai compris bien longtemps après que si j'avais fait les choses dans le bon ordre et que je m'étais fait initier au Reiki, après avoir travaillé un petit peu sur mes processus discordants, ça aurait tout changé dans ma vie. Voilà. Et donc, suite à ça, je me suis fait former à la gestalt-thérapie. Donc, maintenant, je suis gestalt-thérapeute. Donc, c'est une branche de psychothérapie, en fait, qui accorde beaucoup d'importance au cœur, aux émotions, mais aussi au corps et à ce que le corps nous dit en permanence. Bon, il se trouve que moi, mon cœur et mon corps, ils me parlaient pas très gentiment, mais je n'avais pas été très douce avec eux. Oui. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, eh ben, en fait, j'ai mis au point une approche mixte, en fait. Donc, quand je suis en séance de psychothérapie, ben, j'apporte des expérientiels énergétiques aux personnes que j'accompagne, parce qu'en fait, plus on se ressent de l'intérieur, plus on sait où on en est avec notre cœur et notre corps, plus on sait ce dont on a besoin et envie en temps réel. Ouais. Et puis j'accompagne aussi des personnes qui ont des problèmes de santé assez graves. Qui veulent donner du sens en fait à tout ce qui se passe en elles pour redresser la barre et comme tu dis si bien reprendre les rênes de leur vie en fait. J'aime bien cette image. Oui. J'aime bien aussi. Voilà, et en fait aujourd'hui, bah, au-delà du rôle de la thérapeute que je suis, j'ai intégré en fait ces pratiques-là pour moi d'abord et avant tout. Le Reiki au quotidien avec des auto-séances qui me nourrissent. La gestalt-thérapie avec les personnes que j'aime autour, puis celles qui me côtoient. J'ai cette approche humaniste de la personne gestaltiste parce que j'adore ça. Ça me fait un bien fou. Et en plus, on a besoin de ça dans ce monde où c'est pas assez encore Oui. démocratisé, même si, bon, on y est quand même de plus en plus, hein. Oui, ça s'ouvre de plus en plus, heureusement. Et puis de toute façon, c'est ce vers quoi on tend. Donc, Voilà. ça va être de, ça va être. C'est déjà. Je pense qu'on est déjà dans cette partie exponentielle. Et si on, je revois les courbes quand j'ai l'image de la courbe exponentielle en maths quand on était au lycée là, où justement ça augmente et puis d'un seul coup ça augmente. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est le cul un peu entre deux chaises, tu vois, à ce dernier. J'adore. D'augmenter et en fait là on peut voir je pense J'adore ton image. J'adore ton image, Aurélien. C'est exactement ça. C'est ça. On est en train de prendre la courbe de l'exponentielle. c'est ça en tout cas c'est Yes. l'image qui m'est venue donc je partage
Ah bah écoute, les images, ça parle au cœur, donc j'adore ça, moi. Oui. Alors, je ne sais pas si toi, tu vois les commentaires des personnes, mais c'est peut-être pas parce que comme c'est moi qui héberge la vidéo, moi, je vois, il y a des personnes qui, en tout cas, il y a Eric qui a commenté. Il me parlait de son expérience sur les vies antérieures et âme protecteur. Il dit, oui, ça existe, je peux le confirmer, après 15 jours de coma. Alors, Waouh. ouais. Donc voilà, Waouh. sans rentrer dans les Intéressant. détails de ta vie, Eric, voilà, si tu veux partager d'autres choses par rapport à ça, alors je ne sais pas si toi, Isabelle, tu as eu l'occasion peut-être de travailler avec des personnes qui sortaient d'expériences comme ça. Pour le coup, moi, je ne connais pas du tout, donc je ne me souhaite pas de vivre ça un jour, mais c'est vrai que ça doit être une expérience très particulière et je suis persuadée que quand on est en coma, on vit des choses sur d'autres plans. Est-ce que tu as déjà eu des retours comme ça, toi? Toi, t'es étonnante, hein. Vraiment, tu m'impressionnes. Mais parce que t'as la question pile poil. Alors moi, j'ai un frère, en fait, qui a vécu une période de coma de plus d'un mois suite à un accident. Oui, mais tu vois, ton âme le savait et ça se manifeste entre nous et j'adore ça. On est connectés, ça se confirme. Et en fait, mon frère, on lui a parlé pendant sa période de coma. Il nous a entendus, en fait, et il nous a témoigné après coup du fait qu'il était entre deux mondes et en questionnement sur son envie de revenir ou pas. D'accord. Et il nous a partagé aussi à quel point ça l'avait aidé à revenir. Et notamment, il avait un petit garçon de 1 an à cette époque. Alors aujourd'hui, Hugo, qui a 25 ans, Ah. hein. Mais c'était crucial pour son petit garçon qui revienne. Vraiment. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, si, ça répond. Moi, je trouve ça. J'ai déjà vu des films où on parle de coma et que les personnes sont dans d'autres mondes, mais enfin, pour moi, c'est au-delà d'y croire. C'est une. Comment dirais-je? Une vérité. Enfin, c'est juste pour moi de penser que. C'est pas parce qu'on n'est plus dans la matière que, enfin, il n'y a pas que nous, quoi. Il n'y a pas que la Terre. Donc, pour moi, tout est tellement possible, en fait, qu'il y a tellement d'expériences et de témoignages qu'on peut entendre à droite, à gauche, que oui, je ne sais pas exactement ce qui s'y passe, mais voilà, toi, tu as répondu à travers l'expérience de ton frère. Donc, du coup, c'est chouette, mais je pense qu'il s'y passe beaucoup de choses. Ouais. C'est une Beaucoup. autre façon de s'élever et tout comme quand on part dans nos rêves, enfin pour moi, voilà, c'est différentes façons d'accéder à peut-être des endroits similaires, mais voilà, avec des façons d'y aller différentes en fonction des personnes et de leur chemin, quoi, aussi. Et là, pour rebondir un petit peu sur le témoignage d'Éric, en fait, moi, j'ai 3 enfants hein, qui sont bien plus grands que les tiens, puisque je suis plus Oui. âgée. Mais mes jumelles, elles ont eu 20 ans fin novembre. Et en fait, quand elles sont arrivées, je me suis mise à pleurer très, très fort, en fait. Et je ne pouvais pas m'arrêter, c'était mais vraiment des sanglots. Et en fait, ce que j'ai compris, alors quelques temps après, mais pas si longtemps après leur naissance, parce que je suis allée investiguer, je me suis dit, je ne comprends pas. Moi qui suis une vraie maman dans le cœur, j'adore en fait, voilà, avoir des enfants et comment dire, cette fonction-là, j'adore, accompagner le vivant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, après avoir fait 2 régressions karmiques, en fait, une par rapport à ma fille et une par rapport à ma fille Zoé et une par rapport à ma fille Pénélope. En fait, j'ai compris qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées ailleurs avant et j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que voilà, c'est pas l'objet, hein. Mais en fait, qui faisait qu'on ne partait pas de zéro et qu'on partait d'un endroit qui était assez compliqué à ajuster d'âme à âme, en fait, et de cœur à cœur. Et en fait, en m'impliquant dans l'expérience et dans la résolution en fait, de la problématique qu'on avait en duo avec chacune des deux, et ben, en fait, ça a tout changé, quoi. Ça a tout changé. Et j'adore la relation qu'on a aujourd'hui. Vraiment. C'est beau que tu aies pu conscientiser qu'il y avait des liens karmiques avec elle quasiment dès leur naissance finalement, parce que c'est aussi ce qui t'a permis de partir sur des bases plus saines dans cette vie-là finalement.
Oui, mais alors si tu veux, et c'est là où je veux en venir, c'est que ma conscience, elle n'était pas psychique, elle n'était pas mentale, elle était corporelle. C'était mes cellules qui m'amenaient à pleurer toutes les larmes de mon corps sans que je sache ce qui se passait en fait. Et du coup, en conscience que le corps a une conscience qui nous échappe trop souvent, je suis allée chercher derrière ce que la vie me donnait à vivre en fait. Ok. Il y a Eric qui répond sur justement ce qu'il a vécu durant son coma. Il dit un rêve de malade où j'ai voyagé en Afrique et en Asie. Wow, j'adore. Ouais. Donc moi, je pense que chacun a son expérience propre hein, durant ces périodes-là. Alors, est-ce qu'il a vraiment été dans ce temps-là, sur ce plan-là, en Afrique ou en Asie, ou est-ce que c'était des vies antérieures peut-être à revivre? Mais c'est toujours Peut-être. intéressant. Hein. Pour moi, l'important, ce n'est pas qu'on ait eu des vies antérieures, finalement. C'est comment on peut réparer le passif qu'on a accumulé ailleurs avant pour en bénéficier dans la vie dans laquelle on est en train de vivre. Parce que finalement, l'important, c'est d'optimiser notre vécu dans la vie ordinaire. Le reste, ben, c'est de l'ordre du rêve, potentiellement. Mais l'important, c'est ce qu'on en fait ici et maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, vraiment, c'est l'enseignement que j'en retire. Bon, bah c'est beau. Alors du coup, par rapport à ce que tu vas réaliser en séance, déjà, c'est quel type de personnes qui viennent te rencontrer? Est-ce que tu as tout type de profil? Avec quelle problématique on peut venir te voir? Voilà, raconte-nous un peu comment ça se passe. Alors, en fait, j'accompagne, oui, des profils assez variés. J'ai pas mal de soignants, de thérapeutes, des enseignants, des personnes ressources, en fait, qui ont envie de se poser les bonnes questions pour les personnes dont elles s'occupent. Mais en gros, si tu veux, ce sont des personnes qui ont envie d'arrêter de subir les situations dans lesquelles elles se sont ou bloquées ou enfermées. Ça peut être face à la maladie ou alors avoir l'impression de ne pas avoir les rênes, justement, pour reprendre ton expression. Ou alors des personnes qui ont besoin de donner du sens à ce qui se passe dans leur vie sans comprendre. Un peu comme ce que je partageais tout à l'heure par rapport au moment de la naissance de mes filles. Je ne comprenais pas, j'avais envie de donner du sens. J'étais dans le brouillard dans ma tête. Il fallait que je clarifie. Donc voilà, ça, des personnes qui ont envie de donner du sens à ce qui se passe. Ou alors, des personnes qui veulent mettre plus de cohérence dans leur vie par rapport à leurs propres valeurs, en fait. Ont l'impression de subir des valeurs qui ne leur ressemblent pas dans l'entreprise ou dans le monde du travail et qui ont envie de remettre de la cohérence. Voilà. C'est ça. Voilà. D'accord. Et du coup, tu les accompagnes. Alors, tu nous as parlé du Reiki, tu nous as parlé aussi de cette branche de la psychothérapie, donc la Gestalt. C'est ça, je le dis bien, hein, Gestalt thérapie. Gestalt, ouais, c'est un mot allemand. Ah oui, j'ai pas fait allemand, désolée. Eh ben oui, voilà. C'est pour ça que j'ai pas la prononciation. Le G en allemand, ça se prononce G. Gay, d'accord. Gestalt thérapie. Est-ce que tu as d'autres outils? Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple concret de ce que ça donne justement cette branche-là en séance? Comment est-ce que tu... Alors, dans les séances de psychothérapie, voilà, les outils, je les utilise avec parcimonie et avec une intention particulière pour un expérientiel donné. En revanche, j'accompagne aussi avec une approche mixte en psycho-énergétique. Et là, j'accueille avec ma façon d'être gestaltiste, dans le moment présent, en ressentant où en est la personne. Et après, il y a un temps d'expérientiel où, par rapport à l'intention que la personne va m'avoir donnée et qu'on aura identifiée ensemble, parce que souvent je suis un petit peu, j'imagine comme toi, en hyper-perception de ce qui se passe. Et là, voilà, on utilise des outils. Alors, évidemment, il y a le Reiki. Moi, je suis très connectée au son. Donc, les bols tibétains, les bols de cristal, la voix. La voix et le son, toi qui es imprégné de la pratique du Reiki, j'utilise aussi les kotodama et les mantras du Reiki. Voilà. J'ai été formée aussi en PNL, en visualisation guidée. Donc après, c'est ce qui vient dans le moment présent. Et souvent, la minute d'avant, je ne sais pas ce que je vais proposer à la personne, mais ça vient.
en canal, hein, Oui, comme toi. et oui, la fameuse petite idée qui nous traverse l'esprit. Voilà. Oh, je sais pas comment je vais. Ah bah si, ça y est, je sais. Mais c'est parce qu'on n'est pas tout seul, hein. Encore une fois, bon, moi Oui. avant j'y croyais pas à tout ça, mais quand on a toute notre équipe d'accompagnants invisibles, ben, les idées elles viennent, Ouais. voilà. Et puis, alors, je ne sais pas si tu le ressens en ce moment. Je ne sais pas, j'ai envie de parler de ça, alors je parle de ça. Depuis le solstice d'hiver, donc depuis il n'y a pas très très longtemps, je sens que c'est d'autant plus fort, d'autant plus présent. J'ai eu une amie, on a fait une consultation là juste avant notre live. Du coup, on papote forcément, donc ça a duré longtemps, mais on discutait de ça où j'avais l'impression que les choses là, en ce moment sont plus tangibles. C'est-à-dire que moi, j'arrive bien à visualiser le pouvoir du verbe, ça fonctionne bien avec moi, mais là, en ce moment, c'est impressionnant la facilité avec laquelle j'arrive à visualiser et matérialiser les choses. J'ai l'impression que tout est dans la matière sans l'être. J'ai du mal à exprimer, mais j'ai l'impression que c'est plus tangible, c'est plus fort. Déjà, je le ressens dans mon corps. Je suis fatiguée. J'ai T'es l'impression connecté, qu'il Isabelle. T'es y a connecté. que ça Tu bouge te laisses traverser, tu vois. dans Pour moi, on est des artistes de la vie, en fait. Dans ces cas-là, c'est on se laisse traverser, inspirer, et ça vient. On n'a pas à se prendre la tête 107 ans, ça vient. Et oui, je valide, parce qu'en fait, tu sais, la bascule, elle s'est faite au moment de, au mois, dans le courant du mois de décembre. L'ère du Verseau, elle a démarré à ce moment-là. Et donc, on en parle hein, depuis vraiment des années. Mais là, ça prend effet depuis décembre. Et donc là, oui, je valide. C'est, mais on est aidé au centuple. Ouais, c'est C'est impressionnant. géant. Ouais. C'est géant. Alors moi, je travaille aussi avec les vies antérieures. Hier, j'ai fait une libération karmique à distance avec une cliente. Et d'habitude, les libérations karmiques, on vit pas, on revit pas la vie. Et elle, bon, elle, je pense, c'est même pas je pense, je sais que c'est une vieille âme et que voilà, mais c'était la première fois qu'elle faisait ce genre d'expérience. Et c'est pas qu'elle y croyait pas ou qu'elle y croyait, mais juste elle avait envie de tester. Et elle a eu une connexion de dingue. Elle a vécu en fait. Et finalement, j'ai été amenée à faire une régression karmique avec elle et à l'accompagner dans la Oui, mais réintégration. mon hypothèse, c'est que tu as servi d'antenne relais, tu vois, Ah Aurélia. oui, Et du ça coup, je sais où je comme suis. tu étais l'antenne, elle captait, et puis du coup, elle va le garder avec elle, et c'est fort probable que dans les jours et les semaines qui viennent, ben, cette connexion, ça va s'amplifier chez elle, quoi. Ouais, Tu vois? mais c'était magique, quoi. Même pour elle, je me dis, sa première expérience, elle est plutôt waouh. Donc, c'était, ouais, je te le dis, tout est plus fort. Ben voilà, je parle même pas du chakra couronne et troisième œil qui bam, 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 je le sens. Mais c'est vraiment, ouais, c'est presque tangible maintenant. Donc, voilà, je trouve que enfin, ça me met en joie aussi, en émulation. C'est cool. Il y a plein de choses qui se passent. Tout est plus tangible. Donc, j'espère que ça va aider de plus en plus de personnes aussi Oui, à aller là-dedans. mais pas que. Alors, oui, en fait, pour celles qui ont commencé à démarrer dans leur vie, j'ai envie de dire leur questionnement de vie en profondeur, et non pour les personnes qui sont bétonnées dans un mental verrouillé Ça, c'est et qui super. ne veulent pas y aller. Et alors là, pour le coup, ben, c'est compliqué. Et bon, on a entendu dire tous, autant qu'on est autour de nous, l'année 2020, c'est une année terrible. On voudrait pas en revivre une autre sous la même forme. Et heureusement qu'elle se termine. Mais j'ai envie de dire à tous ces gens-là, mais ayez conscience que ces difficultés de vie sont des défis à traverser pour mieux se rencontrer soi dans ce qu'on est. Arrêtez de rejeter la belle âme qui sommeille en nous depuis trop longtemps pour la contacter et la reconnecter pleinement. Et déployer cette amitié envers notre moi profond pour ne plus s'abandonner, tu vois. Et j'en viens aux blessures. Je sais que toi, tu travailles beaucoup avec ça. Moi, j'adore aussi. On s'est rejeté parce que dans notre histoire de vie, on nous a amené à nous faire croire qu'on n'était pas suffisamment plein de choses. Oui. Du coup, on a oublié les potentialités magiques qu'on avait en nous. Et on s'est abandonné soi-même. On a abandonné la partie sensible et hyper perceptive de nous qui a la clé pour sortir de l'enfermement,
pour sortir du brouillard, sortir de ce décalage Ouais. de notre essence profonde, en fait. Ouais. Eh ben, j'espère et je souhaite en tout cas à toutes ces personnes qu'elles regardent notre live et notre vidéo pour qu'elles puissent. Voilà, je sais que c'est des graines qu'on sème et que de toute façon, toujours pareil. Hein, si c'est juste pour elles, leur libre arbitre voilà, fera le reste et un jour ça viendra. Mais on est vraiment dans cet élan, quoi. Donc. Je suis ravie de cet élan. Et tu vois, j'ai envie de dire, bon, je pense qu'on va pas tarder à terminer parce qu'on a un peu dépassé le temps qu'on avait prévu. Mais nous sommes tous des alchimistes en puissance. L'alchimie, c'est tirer parti de l'expérience aussi difficile à rencontrer soit-elle pour en faire une ressource et une belle ressource. Et Eric, là, tu nous partageais cette période de coma. J'ai l'impression que tu en as fait quelque chose puisque tu peux en témoigner aujourd'hui. Et en fait, nous pouvons tous transcender nos expériences, aussi difficiles soient-elles. C'est vrai. Et je nous souhaite à tous de faire quelque chose de cette période de crise sanitaire, d'en tirer parti, donner le meilleur dans notre vie et en profiter pour se recentrer sur soi, sur les belles ressources qu'on a en soi et aussi le temps qui nous est offert. Oui. Pour, en faire quelque aller chose. À la recherche, voilà, faire quelque chose. Ouais. Voilà. Et ben, je pense qu'on peut rester sur cette belle intention. Un grand merci à toi, Aurélia, et j'aime beaucoup nos partages. Bah, merci à toi, merci pour ta confiance. Voilà, pour les personnes qui verront ce live, donc je pense que je vais enregistrer la vidéo. Je pense que je dois pouvoir te taguer comme ça si vous avez envie d'aller voir le compte d'Isabelle, de vous abonner et de lire ses publications qui sont pleines de sens. Voilà, vous aurez juste à cliquer dessus et à vous abonner. Voilà. Un grand merci à toi, Aurélie. Avec plaisir. Si tu as besoin de partager autre chose. J'ai envie de dire, j'ai confiance, vraiment. J'ai confiance en la vie et tout ce qui s'ouvre à nous, c'est de la magie si on choisit d'en faire de la magie. Oui, c'est ça. De l'âme qui agit. Tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup et puis bah, à très bientôt, peut-être sur ta chaîne. À très bientôt. Belle journée à toi. Salut. Belle journée.